Salut ma team d'été, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un glitch juste énorme. Vous allez vous faire argent illimité grâce à ce glitch justement qui est juste excellent. Donc, et bien sûr il faut aller au casino et avec les chevaux. Juste avant de commencer la vidéo et de vous présenter le glitch, s'il vous plaît, n'oubliez pas de m'exploser la barre des likes si vous voulez que pour le prochain glitch je vous le partage, ce sera avec grand plaisir. Juste s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications, rejoignez-moi sur les réseaux et surtout likez en masse et partagez cette vidéo. Je compte sur vous, partagez cette vidéo à tous vos amis pour qu'ils découvrent aussi ce glitch. Je compte vraiment sur vous les amis. Alors il est très simple ce glitch, vous allez vous faire argent illimité, c'est pas compliqué, argent illimité en même pas 2 minutes, toutes les 2 minutes, boum boum boum, vous faites du fric. Alors c'est très simple, vous allez gagner entre 20 et 40 000 jetons, sachant que 1 jeton c'est 1 $, 100 jetons c'est 100 $, etc. Ces jetons vous pourrez les échanger contre de l'argent juste après dans le casino. C'est pas plus compliqué que ça les amis, je vais vous montrer. Franchement c'est un glitch mais juste excellent, vraiment s'il vous plaît un max de like, vraiment un maximum de like et de partage. Du coup vous allez aller dans miser ici, donc pari simple, voyez, hop. Et du coup vous allez sélectionner, alors en général les chevaux qui gagnent le plus souvent statistiquement parlant c'est le 1 ou le 2. Donc par exemple on va aller sur le 1. Et en fait avec votre flèche de droite vous allez aller donc ici là pour augmenter la mise. Alors une fois que vous aurez donc mis votre flèche de droite de la manette sur cette flèche pour augmenter la mise, vous allez appuyer sur croix. Attention, vous allez rester appuyé sur croix tout le temps. Vous allez rester appuyé sur croix toute la partie, c'est très important. En aucun cas vous ne lâchez croix, en aucun cas. Une fois que là vous allez activer, vous allez appuyer sur croix, vous allez tout de suite et directement appuyer donc sur la flèche du bas pour miser. Une fois ça, le jeu va être lancé et voilà. Alors le seul inconvénient que je peux vous donner sur ce glitch, c'est faut que le cheval gagne. S'il ne gagne pas, c'est foutu. Mais en général, de toute façon, c'est le 1 ou le 2 et on gagne plutôt souvent. Voilà, alors c'est simple, j'ai ma flèche qui est du coup pour augmenter la mise. Là, je vais tout de suite appuyer sur croix et miser. Vous avez vu les amis, j'ai misé donc sur le 1, ça m'a compté 200 jetons en moins. Vous allez voir, si le cheval gagne, je me ferai entre 20 et 40 000 jetons, c'est pas une blague, 20 et 40 000 jetons que vous pourrez par la suite échanger. En aucun cas je lâche croix, là vous voyez, enfin vous voyez pas, mais je reste appuyé sur croix. Il est très important de rester appuyé sur croix les amis, très important. Si vous aimez ce glitch, partagez-le un maximum s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément. Je compte sur vous la team, vous êtes les meilleurs, et en plus de ça likez en masse, ok. Là vous voyez mon cheval est arrivé en deuxième position, j'ai perdu. Tant pis, c'est pas grave, on recommence, on recommence, on recommence et on ne s'arrête pas. Donc là c'est pareil, on refait, hop, go. Et là on a remisé 200 jetons. De toute façon les amis, si vous perdez, c'est bien que j'ai perdu, comme ça ça vous montre que, comment ça marche après. Même si j'ai perdu la première partie, j'ai perdu 200 jetons. Sur un gain de 20 à 40 000 jetons, je pense qu'on reste dans tous les cas gagnant. D'accord, vous voyez, là je suis à 405 590 jetons, c'est juste énorme. Là j'espère que le cheval en 1 va gagner, je pense qu'il peut gagner, je pense vraiment qu'il va gagner, je l'espère en tout cas. Yes, il a gagné. Et là vous allez voir apparaître, j'ai gagné 20 000 jetons. Là je peux relâcher croix, maintenant c'est réglé. Voilà le glitch. Donc entre, alors ça dépend bien évidemment, des fois ça sera 20 000, des fois ça sera 40 000, des fois 20, des fois 40 000. Bref, voilà, vous m'avez compris, vous avez compris le système. Et ensuite c'est vraiment pas compliqué, ensuite vous allez pouvoir échanger vos jetons. Vous savez qui est à côté de la roue là, l'espèce de petite boutique où justement on peut acheter nos jetons ou même obtenir le bonus quotidien. C'est pas compliqué les amis. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, ce petit glitch vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes. Abonnez-vous en masse pour avoir de nouveaux glitchs. Partagez en masse pour avoir de nouveaux glitchs. Et likez pour avoir de nouveaux glitchs. N'oubliez pas d'activer les notifications. C'est très important les amis. Je compte vraiment sur vous. Je vous dis à très bientôt. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde.